Salut tout le monde, c'est Fitz le Brasseur. J'espère que vous allez bien à ce beau vendredi. Vendredi de la semaine, congé de la construction. Hein? C'est quand même bien. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de faire le live un petit peu plus tard. Je l'ai fait au début de la matinée aujourd'hui, cette semaine. Puis là, ben aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire ça à midi et demi, pour pouvoir vous présenter un cocktail. Ça fait 3 jours que j'essaye de vous faire un live à partir de 3-4 heures pour faire un cocktail. Puis, ben malheureusement ou heureusement, j'ai pas le temps de le faire parce qu'il y a trop de monde au bord. Mais pas assez, juste pour vous filmer le flow continu de recettes qu'on a à faire. Fait qu'aujourd'hui, j'ai décidé... Pendant qu'on va parler de bière et d'autres choses, si vous avez des questions, gênez-vous pas, je suis là pour répondre à toutes vos questions. N'oubliez pas qu'on a un 30 secondes de délai entre le fait que je vous parle là et qu'est-ce que vous attendez. Fait que soyez indulgents pour poser vos questions le plus rapidement possible. Alors, les deux derniers lives que j'ai faits, je me préparais un café parce qu'on était le matin. Vous savez que j'ai une compagnie de café qui s'appelle Fitz Café, disponible au www.fitzcafé.ca et .com aussi, il fonctionne. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous préparer un espresso martini. Fait avec la vodka. Moi, j'utilise la Grey Goose parce que c'est une de mes préférées. Du Kahlua, liqueur de café. Évidemment, on a notre café froid. C'est pas un café infusé à froid. C'est un café qui est infusé à chaud et qui refroidit instantanément. Alors, café. Le café que j'ai pris aujourd'hui, c'est aussi la perle noire pour faire ce café infusé en froid-là. Et on a notre solution saline, juste notre petit sel. Fait qu'on va juste tasser un petit peu notre verre pour avoir de l'espace pour travailler. Et on va commencer avec 1,5 once de Grey Goose. Quand vous préparez un cocktail, si vous aimez faire des cocktails à la maison, faire des 5 à 7, un petit truc que je peux vous donner, c'est tout le temps de mettre vos boissons dans le plus grand des contenants des shakers. Pourquoi? Parce que le petit contenant, celui-là ici, il est juste de la bonne grosseur pour mettre la glace que vous avez besoin. Du Kahlua, on va mettre 0,75 once. On va y ajouter notre café froid. Café froid qui va être 1,5 once. Si vous n'avez pas de café froid, vous pouvez vous faire une shot d'espresso. Ça fonctionne vraiment bien. Solution saline, on va y mettre quelques gouttes, 2-3 gouttes. Si vous n'avez pas de solution saline, vous pouvez mettre une pincée de sel aussi, ça va vraiment bien. On va mettre de la glace. Fait qu'on rouvre notre machine à glace. Si vous n'avez pas de machine à glace à la maison, vous pouvez ouvrir votre congélateur pour mettre de la glace. Hein? Et puis là, on va le shaker pendant un bon 15 à 20 secondes. Si vous avez remarqué... Si on regarde la caméra normale pour les recettes, j'ai mis de la glace avec de l'eau dans mon verre à dry martini. Pourquoi? Tout simplement pour refroidir mon verre. C'est tout le temps plus le fun d'avoir un verre froid avant de déposer nos liquides dedans. Alors, c'est parti pour un petit 10 à 15 secondes. On va transférer ça dans notre verre. Tout le temps rincer, hein, au fur et à mesure, comme ça on n'a pas à se ramasser. Et nos 3 petits grains de café. Oups, il y en a un qui est vivant. Juste pour la décoration et avoir un petit croquant de plus. Alors, mesdames et messieurs, expresso martini. Je sais pas si vous aimez, mais moi, j'adore l'expresso martini. En plus de ça, faites avec du café de Fitz Café. C'est qu'est-ce qui est encore mieux, meilleur pour vous. Alors, gênez-vous pas si vous voulez venir au laboratoire du brasseur. On en prépare pour vous aussi. C'est aussi disponible... Menu sur le... Alain, salut Alain, bonjour Alain. Sur le menu de bière, on a une nouvelle bière qui était disponible à partir d'hier. Fait qu'on a remplacé notre Munich LS, Munich L, pour une West Coast IPA.
J'ai laissé le choix à des clients de choisir la prochaine bière qui était sur le menu parmi trois choix. Il y avait la Jules Verne, la Cream Ale et la West Coast. Ils ont choisi de remplacer par West Coast. Je vous conseille de vous dépêcher à venir le chercher en magasin parce que la West Coast, on a seulement deux kegs. On a 40 litres qui nous restent. On vient de le mettre. 40 litres, ça se passe vraiment vite. De nouveau aussi sur le menu, Alain, je ne sais pas si tu avais remarqué sur notre pause du laboratoire du brasseur, mais on est rendu avec That's Boot! Fait que tu peux prendre toutes tes bières dans un litre, une belle botte qui est disponible maintenant. Fait qu'on a deux formats, là, on a la botte présentement qui est un litre de bière, puis on va avoir notre verre traditionnel à 13,5 onces pour les consommations de bière. C'est un petit peu plus tranquille présentement parce qu'il y a beaucoup de monde en vacances côté de brassage. Il y a du monde qui brasse durant leurs vacances, mais on a beaucoup moins de questions en magasin. Une des questions qui revient de plus en plus souvent, c'est la mise en bouteille, la mise en keg et le fameux problème de mousse qu'on retrouve tout le temps dans nos kegs, dans nos bouteilles, le gushing qu'on appelle, que la bière a se remplit trop de CO2 et aussitôt qu'on verse une pinte. Hein, on a même le même problème ici, ça arrive des fois même en... que ça va faire vraiment juste de la mousse. Ça peut arriver n'importe où, dans n'importe quel micro aussi. Ce problème-là est dû soit à une gasification trop élevée, ça veut dire que quand le CO2 s'incorpore dans la bière, il arrive à son point de rupture, et qu'aussitôt qu'on met ça en contact avec l'oxygène, la molécule rouvre. Qu'est-ce qui est un petit peu plus plate, c'est que la bière va être un petit peu plus flat quand on va l'avoir pris par la suite. Par contre, si c'est pas une bactérie, tu n'auras pas de différence dans le goût. Ça peut être aussi causé par une bactérie. Ça ne veut pas dire que ça va être mélanger le goût, mais ça peut changer, ça peut faire varier votre goût. Alors, si vous avez des certaines bières qui vont plus gaucher, qui va quand vous ouvrez, puis qui font des champleurs, soit vous avez mis trop de sucre, soit la fermentation est non terminée, fait qu'à la chaleur, la transformation va se terminer. Il y a aussi le problème de bactéries, hein, le couvert, mais votre bouchon peut avoir des bactéries à l'intérieur si vous l'avez mal lavé, stérilisé. Il peut avoir aussi des problèmes dans les bouteilles mal lavées, dans votre équipement, si vous utilisez des champleurs, si la champleur commence à être maganée, un seau qui a été contaminé avec des micro-fissures aussi. Fait que c'est vraiment à faire attention quand on va transférer de la bière de la bouteille en keg ou de la keg en bouteille, de bien faire les choses pour s'assurer que tout soit vraiment propre, stérile et qu'il n'y ait pas de bactéries. L'autre chose aussi en keg, c'est souvent, en amateur, on va pousser au CO2. Et quand le CO2 s'incorpore dans la bière, ben il n'arrête jamais de s'incorporer. Fait que prendre le temps de fermer le petit régulateur, la petite bonbonne de CO2, pas entre les utilisations, on ne viendra pas fou. Mais surtout qu'on a fini notre soirée, c'est important de la fermer. Si vous buvez beaucoup pendant 2-3 jours, vous pouvez la laisser ouverte. Mais si vous êtes 3-4 jours sans ou à prendre juste un ou deux verres, je vous conseille fortement, mais fortement de l'éteindre. Est-ce que c'est OK si je garde ma bière en fermenteur plus d'un mois dans une température contrôlée? Oui et non, tout dépendant du style de bière, tout dépendant du style de levure utilisé. Théoriquement, on va dire un mois et demi maximum pour pas commencer à faire de l'autolyse. J'ai déjà fait l'autolyse, la levure mange elle-même, ça se mange par elle-même. Là. Fait que ça, c'est pas super cool, ça va donner des faux goûts. Par contre, j'ai déjà fait des bières que j'ai laissées très longtemps, 2, 3, 4, 6 mois. Et j'avais pas eu de problème d'autolyse. Si on a bien fait les choses, si on n'a pas trop de levure, souvent c'est la levure vivante, celle qui va créer la plus d'autolyse, va se ramasser entre les deux couches. Alors si tu fais un beau cold crash puis tu descends ça, tu risques d'avoir moins d'autolyse. Si tu as la possibilité aussi de le mettre au froid, ça va vraiment aider parce que les levures vont s'endormir. Fait que tu vas minimiser le risque que la levure va manger elle-même. Par contre, faire attention. Si on est température pièce, peut-être moins le bouger possible parce que les levures vont pouvoir être en suspension. Préférablement, si tu es capable de flusher tes levures, hein, si tu as un cône, tu peux enlever les levures, c'est préférable. Comme ça, tu vas pouvoir la garder un petit peu plus longtemps. Puis, inquiétez-vous pas, quand vous flushez les levures, il y a quand même tout le temps des levures sur les parois et il y a tout le temps des levures qui restent vivantes dans votre bière. Hein. C'est pour ça que quand on rajoute du dextrose ou du sucre
embouteillage. Vous pouvez prendre du sirop d'érable si vous voulez, du miel ou peu importe. Ça va faire en sorte que votre bière va refermenter. Ça veut dire qu'il reste des levures. Même si vous n'avez pas pris les levures au fond, ça va quand même refermenter dans votre bouteille et ça va permettre réellement de bien, bien contrôler. Fait que oui, moi, je préconise de rajouter une levure dans l'embouteillage, mais vous n'êtes pas obligé. Je me sers un bon drink puis j'ai à peine goûté. Est-ce que... Il y a du monde qui aime ça, des expressos martini? Est-ce que vous en faites à la maison? Quand on commence à en faire dans le laboratoire du brasseur, c'est comme systématique. S'il y a 4, 5, 6 clients, les 4, 5, 6 clients le prennent. Surtout avec le café qu'on a fait. Hier, on a fait déguster à quelques clients notre café froid. Sentez-moi ça, comment ça sent bon. C'est vraiment, vraiment, vraiment un bon café. Fait que... On l'expédie si vous êtes trop loin. Pas nécessairement pour le monde d'Europe, parce qu'encore une fois, c'est un peu compliqué. On travaille encore sur des principes d'expédie en Europe. Mais si vous êtes dans le Canada, peu importe où au Canada, on peut vous l'expédier à 3 livres si l'expédition est gratuite. Fait que si vous êtes un petit peu plus loin, vous pouvez pas vous déplacer à la boutique, ça vaut vraiment la peine. Pour les questions de bière aussi, à tous les vendredis, souvent quand on commence à faire... à tous les vendredis, on fait un mou de bière. Si vous ne connaissez pas notre mou de bière, c'est super facile. Dans l'équipement de micro, on crée la bière. Fait qu'on va faire la bière de tout grain. On part de la matière première, puis on va se rendre jusqu'au mou. Une fois le mou est fait, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va juste tout simplement refroidir, le mettre dans des bacs, et vous pouvez venir le chercher, vous amener vos fermenteurs, puis on va échanger. C'est quelque chose de vraiment plus facile quand on commence à faire de la bière. Vous allez économiser quand même relativement beaucoup d'argent parce que si vous achetez des bières de microbrasserie ou des bières à l'épicerie, même des bières commerciales, c'est plus avantageux dans tous les cas de fabriquer sa propre bière. Je sais qu'aujourd'hui, on n'a pas le goût nécessairement de fabriquer la bière, surtout quand on est en vacances, on court partout, on a plein d'activités. Mais prendre un petit 4 heures si on a l'équipement pour brasser peut vous permettre de faire plus d'activités dans la semaine. Ou tu peux aussi venir chercher les mous du vendredi et ça, ça va t'économiser vraiment beaucoup de temps. Si t'es quelqu'un de vraiment, vraiment, vraiment pressé, là, il y a toujours les kegs comme que je dis au début. C'est pas magique, mais ça va vraiment aider. On a aussi nos petits kegs de 5 litres qui sont disponibles au www.lebrasseur.ca ou le-brasseur.ca. Et c'est quelque chose qui commence à être plus facile, c'est plus petit, on n'a pas besoin de mettre un gros frigidaire, c'est moins dispendieux aussi pour les personnes qui ne sont pas capables de tout simplement fermenter normalement. Mon Alain, pourquoi les bières de microbrasserie semblent-elles plus fortes que les grosses compagnies? C'est surtout la façon, la canneuse qu'on va utiliser les microbrasseries, malgré que ça coûte relativement beaucoup, beaucoup, beaucoup de sous. Les canneuses qu'on pourrait acheter, on parle de centaines de milliers de dollars. On peut monter des fois à 1 million avec tous les équipements compris. On est loin encore de l'équipement ultra précis que Labatt, Molson, Heineken vont utiliser. Eux, ils peuvent mettre des millions puis des millions dans leur système de canetage. C'est aussi la façon dont on va gasifier la bière juste avant. Fait que si la bière est mal gazifiée, si elle est plus flat, on a des problèmes de mousse. Fait que c'est beaucoup plus facile pour nous de gazifier un petit peu moins la bière pour la mettre en canette. Ça sera pas long. Je sais pas si vous avez entendu le petit coq. Je reviens dans quelques secondes. J'ai un client qui est de l'autre côté qui vient juste de rentrer. Vous voyez, c'est pas tout le temps long qu'on a des clients à l'autre côté. Si c'était du sirop de stream, alors ça, c'est un petit peu plus vite que faire des recettes, évidemment, et ou de répondre à des clients. Fait que, bienvenue si vous n'êtes pas toutes parties durant ma petite pause de quelques secondes. Hein. Des fois, ça arrive qu'on veut pas attendre, qu'on le met, puis on s'en va, ou on revient. Fait que, merci pour le monde qui ont resté. C'est super, super, super apprécié. Fait que c'est ça, pour finir de répondre à ta question, Alain,
Il y a aussi le fait que les bières de micro, on fait beaucoup des styles présentement qui sont moins portés à être avec une grosse gazification. Si tu regardes juste les styles belges, que souvent la gazification va être beaucoup plus élevée. C'est encore beaucoup refermenté en bouteille. Je sais qu'Unibrew présentement font beaucoup de cannes, puis je pense qu'ils font une partie de refermentation en canne. Fait que tu peux faire 50-50 aussi. Tu peux gazifier ta bière une partie mécaniquement, puis l'autre partie, tu peux la faire naturellement dans les cannes. On a fait quelques cannes ici refermentées en canne, puis qu'est-ce qui est pratique, c'est qu'on le voit pas réellement parce que le fond de levure se ramasse dans la petite partie inférieure, puis ça paraît quasiment pas. Comme je disais dans un des lives, si vous voulez avoir une sertisseuse pour faire des cannes, je vous conseille d'aller chercher quand même une bonne qualité parce que c'est quand même important d'avoir un équipement qui fonctionne bien. J'ai un de mes amis qui s'en a acheté une que je nommerai pas compagnie, puis il n'est pas capable encore de l'utiliser. Il faut qu'il fasse des pièces sur mesure, il faut qu'il mette des washers, puis ça fait en sorte que le libre qu'on va écraser n'est pas tout le temps identique. Merci pour le like. Merci, merci, merci. Si vous avez d'autres questions, gênez-vous pas. Je suis là pour répondre à tout le monde, pas juste à Alain. Mais Alain, c'est cool. Tu peux continuer à poser des questions. Je sais que tu as 800 000 questions à me poser. Fait que gêne-toi pas, mon beau Alain. Je suis là pour te répondre. Puis inquiète-toi pas, je t'ai pas oublié pour ton fil. Je vais venir, je vais essayer de passer tantôt pour en finissant pour venir voir le fil. Savoir qu'est-ce qu'on a besoin de commander pour faire ton nouveau déplacement de matériel dans ta cour. Parce que pour le monde qui ne savent pas, j'étais électricien avant, je suis encore électricien, mais c'est plus le métier que je pratique à 100%. Puis des fois, il y a du monde qui veulent que j'aille les aider à déplacer ou à rebrancher des choses. Fait que c'est super, super pratique. Aujourd'hui, on est vendredi de la semaine 1, la semaine de relâche des vacances de construction. J'espère, bonjour de la France, bonjour Kev, j'espère que vous avez beaucoup de plaisir et j'espère que vous brassez un petit peu de bière ou vous faites la tournée des microbrasseries. C'est le temps d'en profiter pour faire la tournée des micros quand on est en vacances. On a le laboratoire du brasseur ici. On rouvre à partir de 13h. Fait que dans 10 minutes, la porte va être débarrée. Fait que vous pouvez venir essayer nos bières. On a des bières en canette pour vous expédier aussi. Toutes les bières qui sont sur notre tape, vous avez l'opportunité de débrasser aussi. On peut faire les recettes au laboratoire, au brasseur pour vous donner. Et vous pouvez même partir avec des cannes, vous brasser et vous goûter par la suite. Et c'est super cool. Ouais, c'est la semaine de relâche de la construction blonde. Hey, ma blonde, elle m'écoute. Tu travailles pas, l'amour? Fait que c'est ça qui est le fun. On peut brasser et on peut aussi y goûter en même temps pour savoir si on est arrivé pareil. Si vous avez des questions sur, des fois, les températures de mâche qu'on va faire, ça peut être vraiment... ça fait vraiment une grosse différence. C'est pour ça qu'on essaie d'expliquer au monde que les machines tout en un, qui est le Grandfather, qui va être le Robo Brew, qui va être le Anvil, puis il y en a plein d'autres, il y en a d'autres en France aussi. C'est important. T'attends la future femme d'Alain. Ouais, Alain, il dit à ta femme qu'elle se dépêche, c'est-tu. Fait que c'est important de vérifier les bonnes températures. Moi, j'utilise le Grandfather, et dans le Grandfather, je sais que la température est vraiment constante puis précise. Vous allez avoir une gravité originale, la même chose. C'est la gravité finale qui va varier. Et là, si dans votre recette, on a changé la levure, si on a changé une température de mash, ça va influencer réellement tous vos goûts et vos faux goûts. Et pas vos goûts et vos faux goûts. Ça va influencer réellement la teneur en alcool de votre bière. Fait qu'il va y avoir plus ou moins de sucre résiduel. Quand on échange une levure, il faut faire attention à l'atténuation. L'atténuation, c'est la façon dont la levure va manger le sucre. Fait que si on a une plus grosse atténuation, elle va manger plus de sucre, qui va faire plus d'alcool et moins de sucre résiduel. Fait que votre bière va être plus sec avec plus d'alcool. Si on a une moins grosse atténuation, les bières anglaises, un exemple, vous allez avoir plus de sucre résiduel avec moins d'alcool. Et ça, c'est la gravité finale qui va vraiment jouer les deux côtés. Fait que c'est important de bien calculer les gravités, les températures,
pour vraiment arriver à la fin. Quand tu brasses en pro, beaucoup de monde me dit « Hey, j'aimerais ça passer le micro, j'aimerais ça faire ci, j'aimerais ça faire ça, avoir le micro sur la cour, je vais avoir un petit bar. » Oui, c'est vraiment cool. Par contre, on a le droit à 0,5 degrés fait que de différence sur l'étiquetage qu'on y donne. Comme sur le menu, si notre bière est à 8, on a le droit à 1% en haut de 6. Puis on a le droit à 0,5% en bas de 6. Fait que toutes les petites bières, c'est 0,5%. Fait qu'il faut faire attention, il faut vraiment bien calculer. Puis si on n'arrive pas à nos bonnes températures de mâche, bien c'est sûr et certain que notre gravité finale va être complètement pas correcte. Fait que si elle n'est pas correcte, il faut refaire l'affichage. Juste faire des étiquettes, c'est assez dispendieux, fait que c'est pas trop cool. Certains micros, vous allez voir, ils vont barrer, ils vont mettre des petits collants dessus pour modifier l'alcool qui était supposé être dessus. Ça arrive à beaucoup de monde. Surtout quand nous, on rajoute pas, on fait pas de filtration, on fait pas de modification. Après, un coup qu'on sort du fermenteur, on essaie de le donner la même chose. Si tu regardes Molson, là-bas, puis les grandes macro-brasseries, ils vont faire des super grosses gravités. Fait qu'ils vont brasser des 8, 9, 10%. Puis par la suite, ils vont couper avec de l'eau. Puis c'est comme ça qu'ils vont être capables d'arriver à le degré d'alcool exactement précis. C'est trop bon les dry martini. Pas les dry martini, les expresso martini. Alors, le laboratoire du brasseur, il rouvre à, comme je vous disais, dans 5 minutes. Hein? Ça fait déjà 5 minutes que je l'ai dit. Il va fermer à 23h et plus aujourd'hui. Si vous avez la possibilité de venir, comme je disais à Alain tantôt, si vous ne l'avez pas entendu, on a une nouvelle West Coast IPA qui est sur le tap, qui est sur le menu présentement. On a le nouveau format qui est That's Boots! Fait que vous pouvez venir le chercher au laboratoire du brasseur. On a des cannes pour emporter. Nos cannes présentement, on a la... Ça, c'est un... Blanche à l'orange. La Kolsch. On a la Rusty Key. Hein? Rusty Key L. On va avoir la Time Machine Stout. Si vous aimez les stouts, hein? Time Machine Stout, c'est vraiment un to-go. La Surnature. On a la Merzen qui est encore disponible. La Munichel. Elle n'est plus disponible présentement sur le tap, mais est disponible en canette. Et notre fameuse bière au vin blanc, la Macavino, qui est disponible aussi pour vous. Si vous voulez, j'ai jamais goûté à une bière faite avec du vin blanc. C'est vraiment merveilleux. Puis si ta femme n'aime pas les vins blancs, si ta femme n'aime pas la bière, c'est une bière que certaines personnes vont pouvoir apprécier. Surtout que ça goûte un petit peu moins la bière. Alors, c'est juste pour vous faire un petit live d'une trentaine de minutes pour vous poser des questions, pour savoir qu'est-ce qui se passe. Vous présenter mon expresso martini. Hein? Boire tout seul, c'est pas ma spécialité. J'aime mieux boire avec du monde. Présentement, ben, je suis comme pas vraiment tout seul. Même ma blonde, elle me parle pendant ce temps-là. Fait que, s'il n'y a pas d'autres questions, on va terminer le live pour aujourd'hui. Si vous avez la possibilité, venez au brasseur. Abonnez-vous, partagez. Si vous avez l'opportunité d'aller sur TikTok et me trouver... J'aimerais ça faire des lives sur TikTok aussi, mais j'ai pas assez d'abonnés. Fait que allez vous abonner sur TikTok. Le brasseur ou le laboratoire du brasseur ou Fils de brasseur. Prochain live, je vous le donne. Puis j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment ça, avoir mon 1000 lives pour commencer, mon 1000 personnes, mon 1000 adhérés, pour pouvoir commencer à faire du live sur TikTok aussi. Alors, bye tout le monde. On se voit dans une prochaine vidéo. Puis j'espère de vous voir au laboratoire du brasseur. Hein?